Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'essentiel des news de la semaine sur Star Citizen. Le début de semaine a marqué l'arrivée du Monthly Report sur Squadron 42, permettant ainsi de faire l'état des lieux de l'avancement de son développement. Hormis les traditionnels updates concernant le travail effectué sur la version solo, on a pu voir passer notamment des informations concernant le travail en cours sur le Bengale, et que nous aurons l'occasion de voir durant l'Invictus. Concernant l'Inside Star Citizen de cette semaine, il a été question du travail autour des condensateurs ou supercondensateurs qui seront incorporés dans les vaisseaux. Ils permettront notamment pendant les phase de combat, de mieux doser l'énergie utilisée suivant les armes, les boucliers ou les moteurs, et pourront vous permettre ainsi de décider de donner un coup de boost ponctuel supplémentaire à ceux-ci. On attend de voir ce que ça pourrait donner dans les phases de combat, et ça pourrait permettre de mieux surprendre votre adversaire. Il a également été question des premiers travaux concernant le rôle de l'équipage dans un vaisseau, car actuellement sur les vaisseaux multi-équipage, le copilote et les autres membres se tournent un peu les pouces et n'ont pas grand chose à faire. La première itération va se concentrer autour des missiles, donnant au copilote la possibilité de les contrôler indépendamment du pilote. Viendra par la suite la possibilité de faire de même avec le radar. Les développeurs sont également revenus sur les réputations en répondant à un certain nombre de questions des joueurs sur Spectrum. On y apprend notamment qu'il est prévu que les réputations vous donnent accès à des cosmétiques ou décorations spécifiques qui vous permettront d'afficher votre appartenance à telle ou telle faction. Des zones de l'univers de Star Citizen pourraient vous être d'ailleurs plus facilement ou difficilement accessibles suivant vos relations avec telle ou telle faction. En sachant que toutes ces réputations seront largement étendues à beaucoup plus de gameplay qu'aujourd'hui, et certaines réputations comme les Bounty Hunter Guild seront universelles quel que soit le système que vous allez traverser. Pour finir et préparer l'arrivée de l'Invictus, on a eu l'occasion de voir le travail des graphistes autour du lore et notamment quelles ont été leurs inspirations pour concevoir les uniformes. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. N'oubliez pas que la période d'essai gratuite de Star Citizen commence le 22 mai et l'événement de l'Invictus le 21. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, donc n'hésite pas à partager celle-ci si elle t'a plu, à lâcher le petit pouce et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus dans le verse.